been looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les colos terminés du mois de juin. On va essayer de pas prendre de retard cette fois-ci, sachant que j'ai pas posté de vidéo dimanche parce que j'ai pas vraiment eu le temps d'en monter une et je sais même pas si j'en avais une en stock. Enfin bon bref, en ce moment c'est un petit peu le chaos. Je suis très très fatiguée, mais bon. Les vacances, c'est pas encore pour tout de suite, et de toute manière, les vacances avec les enfants, ça restera pas vraiment des vacances. Enfin, bon, bref, les colos terminés du mois de juin, il n'y en a pas énormément. Voilà, mais bon, je vous avais montré celui-ci, mais ça, c'est mon coloriage en cours. Je l'ai commencé hier soir, hein, donc ça a gondolé, hein. Mais bon, voilà. Celui-ci, je vous l'avais montré le commencement. Il faudrait que je retrouve mon carnet. Voilà. Je vous dis avec quoi je l'ai fait. Et c'était un duo. Et j'ai pas noté avec qui. Je sais pas si je peux vous donner son nom parce que je crois que sur, Instagram, je crois que c'est son nom perso. Donc je vais pas vous le. Je vais juste vous dire que je le fais avec Claire. Voilà. Donc, j'ai fait le fond au néocolore de... J'étais censée tout noter, mais finalement, vous voyez, j'ai rien noté. Hein. Et c'était mon premier colo test luminance. Donc, les champignons sont faits au lumi, les robes des fesses, la tenue, c'est fait au lumi. Nous avons l'aquarelle Midas d'Ava Calligraphy. Dans les étoiles, les bubules, c'est du stylo gel et je crois de la palette Paul Rubens, si je ne dis pas de bêtises. Je sais pas, c'est pas noté. Il y a du stickle, se bat dans les champignons. Les ailes d'effet, c'est de la palette Paul Rubens aussi et du stylo gel pailleté. Par contre, lequel? Est-ce que c'est du Stardust? Est-ce que c'est du... Je sais plus si c'est du Alice, si c'est du... Je ne sais plus. Du hybride, je pense, pour le tour. Pareil, néocolor 2, là. Voilà. J'ai enfin entamé mon Forest Kingdom. Non, Midnight Masquerade. Il faut que je l'entame. Non, je l'ai déjà entamé, celui-là. Non, je crois pas. Il faut que je l'entame. Enfin, je m'y perds. Mais bon, voilà. Le prochain, ça sera celui-ci. Oui, j'ai mis aussi du Pentel Hybride sur le tour des petites robes. Voilà. Voilà pour ce colo. Ensuite, je sais pas si je vais pas vous montrer à la fin celui-là, vu que c'est un mystère. Je pense que je vais vous le montrer à la fin. Ça, les personnes qui ne veulent pas être spoil ne le sauront pas. Ensuite, j'ai fait un mystère, mais bon, je vous montrerai plus tard. Mais j'ai fait aussi le colo qui a été désigné donc par vous. Voilà. Dans le C'est vous qui choisissez, c'est Japanese Beauty. Donc dans le Color and Beauty Gorgeous Fantasy, c'est le Color and Chic, enfin le numéro 4 de Deria Sakirzoy. Donc pour celui-ci, j'ai utilisé du pan pastel pour le fond, du polychromos pour les cheveux, pour le vêtement aussi, pour la peau, c'est du Prisma, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, fond pan pastel, le reste c'est fait au poly. Voilà, et il y a un petit peu de stylo gel, il y a du hybride sur le long. Tout le long du cadre, j'ai mis du hybride. J'ai mis du vrai fard à paupières en fard à paupières.
Voilà pour moi. Et il y a du signaux blanc. Ouais. Voilà pour celle-ci. Ça m'a permis d'entamer mon livre aussi. Hop, il va falloir que je mette à jour un petit colo. Ensuite, j'ai fait un petit colo rapide, mais enfin, voilà. Je ne suis pas satisfaite de mon nuage. Je n'aurais mieux fait de ne rien mettre, hein, je trouve. J'ai voulu sortir un peu de peinture, mais c'est de la peinture qu'il va falloir que je jette parce que finalement, elle sert à rien. Elle n'est pas assez opaque ou quoi que ce soit. En plus, c'est les nacrées, je ne sais pas si vous allez voir. Mais mon nuage est moche. Voilà, donc voilà. Le fond est fait pastel à l'huile Paul Rubens. L'arbre est fait avec les drawings. Et sinon, bah, c'est du Prisma. Si je dis pas de bêtises. Les feuilles Wingtense. Nuage, oui, j'ai mis un peu de gesso et de la peinture, mais elle est nulle. Le Winnie, c'est le combo de Oana. Et voilà. Voilà pour celui-ci. Je voulais retourner dans un livre. Du coup, j'ai taché tout. Hein. Parce que les pastels à l'huile Paul Rubens, c'est du beurre. Donc j'ai... Normalement, j'en avais déjà fait un. Enfin, j'en ai déjà fait un super simple, hein, celui-ci. Mais voilà. Et là, on va passer au mystère. Voilà, j'ai pas beaucoup colo ce mois de juin. Donc, c'est dans le mystère princesse. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, bah, je vous invite à quitter la vidéo. Je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine. Hein. Donc, dans le Disney princesse, c'est un trio que j'ai fait via un groupe Facebook. Tous les mois, je me fais un colo commun via ce groupe Facebook. Je choisis dans quel livre et après... avec les personnes qui ont choisi le même livre, qui font partie du même groupe que moi, on se décide pour un colo. Et cette fois-ci, on a décidé de faire celui-ci. Donc, il y avait un souci avec la légende au niveau de la couleur de Polochon. Voilà. Il n'y avait pas de jaune dans ce colo, c'était du vert, vert lime. Hein. C'était pas... Voilà. Donc, Polochon, non. Je suis pas d'accord. Si jamais vous avez le bouquin, faites gaffe. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé pour elle? Faut que je retourne en arrière, du coup. Parce que je l'avais fait avant. Alors, j'ai utilisé les Brutes Funeurs 180, les Brutes Funeurs Square et les Obos. Voilà, c'est ça. Et bah, du Posca blanc, du signeau. Il n'y a que Polochon que voilà, j'ai eu besoin de faire le contour noir. J'arrivais pas à le faire sans, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas réussi. Donc voilà. Polochon, les contours noirs, mais pas Ariel. J'ai mis... du Mod Podge que d'Ariel, sinon c'est du Brut Funeurs. Le fond, bah, c'est du crayon aussi. Ouais, estompé à l'essence sans odeur, et voilà quoi. Mais je l'aime bien. Ben, autour, ben, du coup, j'ai mis du washi tape. J'aime pas trop les bords. Mais bon, il y a ce côté-là. C'est vraiment chiant, les reliures. Du coup, ben, là, j'ai rien mis. Voilà. Donc, c'était mon premier dans celui-ci. J'avais peur qu'il soit aussi compliqué que le méchant. Parce que le crochet que j'ai fait dans le méchant, c'était une horreur. Voilà, je l'aime vraiment pas. Donc, j'espère... que ça ira pour le prochain dans le méchant. Et voilà, j'ai été rassurée quand même. Celui-ci, j'ai pas mis trop longtemps à le faire. Je l'ai trouvé relativement simple à faire. Serette l'a fait aussi. Donc voilà pour mes colos terminés du mois de juin. J'espère que ce mois-ci sera un petit peu plus productif. J'ai déjà fait une double page.
Mais bon, je l'avais un petit peu commencé sur le mois de... Ouais. Je l'avais commencé le 29 juin. Mais voilà, j'ai déjà fait une double page. Et là, bah, j'ai fait le fond de mon truc. Donc je vais voir, j'espère que je serai un petit peu plus productive. Je vais peut-être essayer de faire un petit peu de marque-page. Ce mois-ci, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.